Hey yo les gens, c'est GG, on se retrouve pour une petite review d'XYZ, épisode 25 déjà. On va y aller tout de suite. La dernière review que je vous ai faite, c'était il y a fort longtemps, je crois. Ou j'étais peut-être il y a 2 semaines, je sais plus. Je sais même plus de quoi ça parlait la dernière review. Enfin bref, de toute façon, ça n'a pas vraiment de rapport. Donc on se retrouve dans un épisode qui est très, très intéressant, je dirais, et qui est vraiment, enfin je sais pas, vraiment j'ai beaucoup aimé l'épisode. Il était pas ouf en soi, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pour ceux qui auraient vu les spoilers ou qui regarderaient les épisodes en VO, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, ben, bien évidemment ça va spoiler comme d'hab quoi, c'est pas fou, mais c'est un épisode vraiment sympa. Et en fait c'était en gros comment dire, la trame de cet épisode, si on peut dire, c'était Sasha contre Diantéa, la championne de Kalos. Voilà. Je vais résumer ça vite fait. Il y a en fait, au début de l'épisode, on voit Astera, qui est donc la championne d'arène de type Psy, là, la 7ème, la dernière que Sasha a affrontée. Astera reçoit une visite de Diantéa, qui est donc la championne de Kalos, hein, comme je vous l'ai dit. Mais je préfère, au cas où, rappeler les choses. Astera explique à Diantéa que, apparemment, de ce que j'ai compris, hein, encore une fois, c'est pas très vague, je suis pas un expert en japonais, mais voilà. Elle lui explique qu'apparemment, le groupe des héros de Sasha, tout ça, va bientôt affronter une crise majeure de Kalos. Enfin, c'est comme ça qu'ils aiment le dire, en fait, dans les sous-titres, en tout cas, c'est ça qui est marqué à chaque fois, ou même dans les résumés d'XYZ. C'est tout le temps la crise, la plus grosse crise de Kalos, tout ça, etc. En parlant de Zygarde, et justement, en fait, Astera a une espèce de vision ou quelque chose comme ça, ou en tout cas, elle sait que ça va être rapport avec Zygarde. Et du coup, Diantéa, ça l'étonne. Apparemment, les deux, ou en tout cas, Diantéa semble connaître Zygarde. Y a rien de révélé dessus, par contre, dans l'épisode, donc voilà. Mais c'est quand même une review que j'avais envie de faire. Parce que c'est quand même, enfin je sais pas, c'est quand même Diantéa, voilà quoi. Et puis ça continue un petit peu la trame avec Sasha et Amphinobi, justement, le fameux Sasha Nobi. Et donc en parlant de ça, en fait, donc justement, Sasha et Amphinobi sont en train de faire un entraînement pendant ce temps-là, dans une espèce de forêt, tout simplement pour s'entraîner, hein, voilà, par exemple, ils font une course, etc. Bref. Quand ils ont fini leur entraînement, eh bien, il y a Diantéa qui rend visite au groupe avec un hélicoptère, etc. Elle voulait apparemment tout simplement rendre visite au groupe. Donc en fait, elle leur explique le problème avec Zygarde et la Team Flare, d'après ce que j'ai compris, qui se sert en fait du pouvoir de Zygarde pour faire des choses assez bizarres. Par exemple, vous savez, à un moment, j'avais fait une review et à la fin, on voyait, je crois que c'était l'XYZ14, si je ne me trompe pas. On voyait la Team Flare qui en fait utilisait un espèce de rayon concentré par la puissance de Zygarde, et en fait l'île elle se transformait en une espèce d'arbre gigantesque avec plein de racines, etc. Et bien en fait Diantéa leur parle de cette fameuse île, etc. Enfin, elle leur montre une image de l'île en fait, en leur disant que voilà ce qui pourrait se passer, etc. D'après ce que j'ai compris, enfin, en gros elle explique la chose. De ce que j'ai compris, c'est à peu près ça. Et que apparemment, eux, donc le groupe des héros, seraient destinés à faire face à Zygarde ou à la Team Flare, apparemment. Donc, elle leur demande si, des fois, qu'ils auraient vu quelque chose d'étrange et tout. Et en fait, quand elle dit ça, elle pensait, par exemple, enfin, nous, on sait ce que c'est, par exemple, on sait que c'est Punichan, la fameuse chose étrange et tout liée à Zygarde. Et eux, ils le savent pas. Pour eux, Punichan, c'est juste un petit Pokémon et tout. Donc en fait, Shulika, sur le coup, elle se dit, tiens, peut-être qu'il s'agit du mystérieux lien entre Sasha et Amphinobi, qui s'est fait il y a quelques épisodes de cela, maintenant plusieurs mois hein, quand même. Mais voilà, et Shulika, elle se dit que c'est peut-être ça la fameuse chose mystérieuse, tout ça et tout, parce que eux, ça les intrigue. Et voilà, et pour eux, Punichan, c'est un truc totalement normal. Donc Punichan, c'est le petit Zygarde Cell qui traîne toujours dans le sac de Shulika, hein, pour ceux qui ne le savent pas au cas où. Donc on a Diantéa qui sur le coup en fait elle est intriguée par ce que dit Yulika, et donc du coup elle décide d'affronter Sasha pour voir d'elle-même la chose en action quoi, tout simplement, le lien entre
En gros, le Sacha Lobby. Donc Jantera envoie Garde voir son fameux Pokémon de prédilection, comme dans le jeu vidéo. Elle domine totalement le match, hein. Évidemment, faut pas s'y attendre, hein. Enfin, faut pas faire genre qu'on est surpris, plutôt, voilà. Mais Sacha revient assez tardivement, mais il revient dans la partie. Il revient plutôt même bien dans la partie, et puis après être revenu dans la partie justement, je dirais pas qu'il a repris l'avantage, mais il était en mauvaise posture, il a réussi à réégaliser un petit peu le match-up, et du coup il se transforme en Sacha Lobby, l'amphilobie de base, il se transforme, et il reprend l'avantage ensuite. Pendant ce temps-là, Jantea, elle voit qu'elle est un petit peu en mauvaise posture face au Sacha Lobby, donc elle fait méga évoluer garde-voir. Et donc le combat continue, et je tiens à dire que le combat était très 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 stylé, autant au niveau d'animation que l'OST de fond, qui est donc l'opening en version instrumentale pour ceux qui l'auraient pas reconnu et qui iraient voir l'épisode ou qui l'auront vu. Et ça rend vraiment la chose vraiment badass, vraiment épique. On dirait un petit peu un petit combat de ligue, et vraiment vraiment j'ai kiffé. Et surtout, en fait, ce qui fait penser à un combat de ligue, c'est la fin. Parce qu'en fait, à la fin, Sacha, en fait, il est sur le point de battre Jantea. C'est quand même assez énorme, parce qu'il va battre la championne. Mais en fait, il se passe un truc assez spécial. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, ils se sont synchronisés, et apparemment, pour se synchroniser, ça doit demander... Enfin, là, je dis ça en faisant un résumé de cet épisode-là, et de l'épisode précédent que j'avais traité, je crois, avec Alan. Et en fait... la dernière fois, Sacha s'était évanoui en fait, après le combat. Et là, encore une fois, il s'évanouit. Mais c'est compliqué et j'arrive mal à vous l'expliquer. Mais je sais pas trop comment dire. En fait, ils sont tellement synchronisés, ils se donnent tellement à fond en fait, que Sacha il est plus motivé que jamais. Il dit tout le temps en Amphilobie, allez on continue, on n'abandonne pas et tout, on y met plus de force, etc. En gros il dit ça. Et donc en fait ça fait dépenser plus d'énergie tout simplement. Et en gros ça dépense plus de pouvoir, si on peut appeler ça comme ça, entre très grosses guillemets, parce que je sais pas trop comment appeler ça autrement. On va appeler ça la synchronisation, ça dépense plus de synchronisation, donc plus d'énergie en tout cas si vous voulez. Et en fait ça fait que Greninja, enfin quand il est en Sacha Lobby, Greninja, il a des espèces de trucs dans le dos, c'est un espèce de shuriken. Et là en fait son shuriken prend une forme très étrange, et genre il se déploie et tout, et ça fait un espèce de cerf-volant, c'est super chelou. Et ensuite il le lance à la gueule de Gardevoir en tant que Mizu Shuriken. En français c'est quoi l'attaque? C'est Shuriken, je crois, un truc comme ça, je sais plus, enfin l'attaque spéciale de d'Amphinomi quoi dans les jeux. Et bien il le fait, et sur le point il est sur le point donc de battre Gardevoir. Et au moment où en fait Gardevoir tombe au sol, mais pas encore KO, et Greninja allait relancer une attaque aéropiquée, et il allait complètement gagner, hein. Clairement c'était obligé à 1000%, Sacha battait Jantea quoi. Et à ce moment là en fait Sacha et Amphilobi s'évanouissent tous les deux, parce qu'ils ont dépensé trop d'énergie apparemment. Enfin c'est clairement indiqué, c'est pas expliqué, mais c'est clairement indiqué avec l'appareil de Chitolone, avec le fait qu'on voit vraiment qu'ils ont dépensé la max, etc. Avec l'épisode précédent où il a affronté Alan et tout. Donc apparemment ça serait lié à un surplus d'énergie si on veut. Donc voilà, donc on en apprend un peu plus mine de rien, et c'est pour ça que j'ai trouvé cet épisode vraiment très intéressant, parce que non seulement le combat est super badass, et c'est un combat digne de la Ligue de Sinnoh, par exemple, parce que pour moi la Ligue de Sinnoh c'est une très grosse référence de Pokémon, c'est-à-dire ça a été génial, j'ai adoré, et donc voilà. Voilà, pour moi c'est vraiment été un combat vraiment digne de la Ligue de Sinnoh, donc j'ai vraiment kiffé. Et en plus il y a eu, une part d'explication au Sacha Lobby, et donc c'est assez intéressant. Le problème c'est qu'après ça, c'est pas mis de côté, mais c'est coupé trop maladroitement je trouve. C'est à dire que ils s'évanouissent, et ensuite Sacha se réveille un peu plus tard, et Jantea elle repart, et voilà, sans question, sans explication, sans rien. Et c'est mal conclu en fait, je trouve. À chaque épisode, je trouve que c'est assez mal conclu, et c'est peut-être voulu, c'est sûrement voulu même, c'est peut-être fait exprès, mais c'est assez dommage du coup. Je trouve que c'est un petit bémol. Enfin voilà.
Et Jantea, donc, elle repart à bord de son hélico en se demandant si... Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est à peu près ça. Elle se questionne, en fait, si ce pouvoir, en gros, cette synchronisation entre Sasha et Amphinobi, pourra les aider à surmonter la menace à venir, en gros, la crise de Kalos, tout ça. Et pendant ce temps-là, on voit la Team Flare à la fin de l'épisode qui s'apprête à commencer de nouvelles expériences sur le Z2, donc la cellule bleue de Zygarde, si vous voulez, le Punichan bleu, si vous voulez. Et donc voilà. Bah voilà. En gros, c'est ça l'épisode. Et donc, c'est un épisode que j'ai vraiment, j'insiste vraiment là-dessus, que j'ai vraiment trouvé très sympa, très intéressant. Et ça change. Bah, quand on se tape des épisodes, genre les trucs de Serena, c'est assez chiant. Donc voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé la review, les amis. Je ne sais pas si j'en ferai une la semaine prochaine, surtout que je n'aurai vraiment pas le temps. Donc, très sincèrement, je ne sais pas. Pour Arc 5, il n'y aura pas de soucis. Normalement, j'aurai le temps. Je vais devoir me speeder, mais j'aurai le temps parce qu'en fait, je serai en stage. Mais je ne bosse pas le lundi. Donc, j'aurai le temps pour les reviews d'Arc 5, je vais les faire le lundi. Mais les reviews d'XY, je pourrai pas parce que je bosse le samedi. Donc, ça va vraiment être compliqué pour les reviews d'XYZ. Et au pire, je vous ferai peut-être une. Dans 2 semaines ou un truc comme ça, ou dans 3 semaines, je vous ferai peut-être un petit condensé. Je sais pas, on verra, je trouverai un truc. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux ou via la fin des reviews d'Arc5. Et voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé. Rendez-vous mercredi pour Arc5. Et pour Pokémon, je ne sais pas quand. Et puis, bah, des bisous. Voilà.